Bonjour, bienvenue. Donc là, je fais une petite présentation d'oracle parce que je trouve cet oracle vraiment super. Donc je voulais en profiter pour en parler et pour pouvoir le montrer aux personnes qui seraient réceptives et avec qui ça résonne. Il n'est pas disponible, très très galère à trouver, enfin très galère. C'est soit la FNAC, soit Cultura. Moi, je suis passée par Cultura. Je mettrai le lien pour que tu puisses te le procurer si tu souhaites te le prendre. C'est pas donné, mais franchement, je trouve qu'il y a une très très bonne énergie, ces cartes ont une très très bonne énergie. Le fait qu'il y ait 68 cartes justement fait qu'il y a énormément de possibilités et si ça te parle, moi je sais que ça résonne et ça fonctionne très bien quand j'ai des questions précises. Je trouve que ça apporte toujours une touche intéressante à un tirage. Donc voilà comment ça se présente au niveau de la boîte. Je te lirai une petite carte du livret pour te montrer. Livret somme toute basique, mais assez concis, mais qui va droit au but. Et je trouve, comme je te le disais, qu'il y a une très bonne énergie. Voici le dos des cartes. Au niveau du format, ils auraient enlevé 1 cm. Ça aurait été parfait pour pouvoir les manipuler. Là, je trouve qu'elles sont un petit peu trop hautes, en fait. Après, je n'ai pas des mains de géant, mais voilà, c'est juste un peu le seul bémol que je pourrais dire. C'est que les cartes sont peut-être plastifiées, mais un peu trop rigides à mon goût. Et que elles sont un peu trop grandes, mais sinon, ce jeu est vraiment superbe. Donc voilà comment ça se présente. Elles ne sont pas dans l'ordre puisqu'elles sont... je les utilise. Chaque carte représente en fait... Il y a un message et il y a la plante qui est associée avec. Et les messages, là pour le coup, sont clairs. Et puis c'est très lumineux, c'est pas consensuel, mais c'est avec une... Je trouve que ça apporte une très bonne énergie. Moi, j'aime beaucoup les utiliser. Ça faisait un moment que je voulais me le procurer et j'ai attendu et puis Cultura, il y a eu des délais au niveau de la livraison parce que je ne sais pas si c'était en réimpression ou quoi, enfin bon moi ça a été un peu galère pour ma part, mais j'aime beaucoup, je regrette absolument pas mon achat, c'est vraiment super. Et donc c'est Eric Cotiras, j'ai dû écorcher son nom, qui a fait les dessins également. Donc il l'a fait en intuitif. Donc parfois les plantes ressemblent apparemment sont très très raccord avec la vraie plante et d'autres sont un peu plus, on va dire, stylisées à sa convenance. Donc pareil, après il faut aimer, si le dessin, ce genre d'imagerie ne te parle pas, c'est une chose. Après voilà, les messages sont quand même assez clairs, qu'on fasse abstraction ou non des plantes, pour moi les plantes ça donne un univers, un axe, mais après si voilà, si les plantes ça te parle pas trop, c'est clair que c'est peut-être pas l'oracle qui va être le plus adapté pour toi et l'utilisation que tu pourrais en avoir. Hein. Bien évidemment, j'en profite pour le dire, mais j'ai fait une playlist que je mettrai dans la barre d'infos juste en dessous des autres présentations d'oracle que j'ai pu faire puisque c'est quelque chose que j'affectionne pour pouvoir en fait pouvoir présenter et donner mon ressenti par rapport aux oracles et aux tarots sur lesquels je peux mettre la main parce que j'aime le voir sur d'autres chaînes, mais j'aime que ça soit assez concis en fait. Voilà. Moi personnellement, je me fie à mon instinct d'une part, et puis voilà, si l'imagerie me parle, bah, j'y vais, sinon non. Donc voilà, si ça te parle, bah voilà, et si ça te parle pas, bon bah voilà aussi, hein. C'est très bien aussi. Hein. Il en faut pour tout le monde. Et pour ceux avec qui ça résonne vraiment, pour le coup, par contre, vous pouvez même après aller faire des recherches en ligne ou dans des livres pour pouvoir en savoir plus sur les plantes. Si vous voyez qu'il y a vraiment hein, quelque chose qui vous fait tilter, bah voilà, n'hésitez pas à pousser après. Hein. Surtout, je pense à ceux qui sont dans la naturothérapie, naturopathe ou des choses comme ça. Si les plantes sont déjà des outils à la base que tu utilises pour pour ton corps, les tisanes, les choses comme ça, ou que tu aimes la nature,
Ben voilà, pour moi, c'est un outil en plus que je trouve qu'on peut mettre dans la boîte à outils pour non seulement se cultiver, s'instruire et puis recevoir des messages qui pourraient être plus ou moins cohérents avec ce qu'on est en train de vivre ou la question qu'on se pose, quoi. Et voilà. Et pour faire une petite démo pour le livret, parce qu'évidemment, je ne vais pas tout lire. Pour ça, il faut se procurer le deck. Petit message là, spontané. Ah bah, elle est sortie toute seule. Le kiwi. Votre grande générosité illustre la beauté de votre âme divine. Et on a même le nom latin, que je vais me tenter de prononcer, mais Actinidia deliciosa. Et on va lire dans le livret 29. Donc je te montre à l'intérieur. Ce que je regrette, c'est que les livrets, généralement, ça doit être des coups en plus. C'est pour ça qu'ils font des choses sur papier vraiment basiques. Mais là, ça vaudrait le coup d'avoir un vrai joli livret plastifié, je trouve. Bref. Donc, le kiwi. Eh ben, le kiwi. Origine Chine. Son origine est temporelle et incertaine. Nous savons que les Chinois en cueillaient ces doux fruits à l'état sauvage. Le kiwi symbolise la générosité et le don de soi. Le message, l'univers vous remercie pour tout le bien que vous réalisez autour de vous. Vous avez désormais compris la puissance du don car vous savez et sentez que l'univers vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Vous avez d'ailleurs compris que l'abondance n'est pas uniquement matérielle mais se présente également à vous sous la forme d'amour. Affirmation positive, merci pour l'abondance matérielle et spirituelle de ma vie, je mérite de donner et de recevoir tous les cadeaux attentionnés de la vie, je suis comblée et je comble de bonheur ceux qui me côtoient, merci à l'univers, merci à l'énergie du kiwi. Donc si tu avais besoin d'entendre ça, eh ben, c'est que c'était pour toi aujourd'hui. Et ça me fait rebondir. Merci beaucoup. Énorme gratitude pour les personnes qui me font confiance, pour les personnes qui suivent ma chaîne, pour ceux qui seraient, voilà, qui ont envie aussi de partager et de faire des dons. Les dons sont les bienvenus comme toujours. Tout est dans la barre d'infos si tu souhaites me contacter pour une guidance. Et je te souhaite une très belle journée.